look into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Tyson? Quoi? Est-ce qu'on peut tous apprendre à méditer? Je suis sûre que c'est pas ton truc. Oui, tu as raison. Ça ne l'était pas avant de te connaître. Donc, tu ne trouves plus que je suis une allumée grave? Maintenant, je te connais mieux. Tu as saisi mon essence. Exact. Tu t'es branché sur les bonnes vibrations. C'est ça, ouais. Nos deux âmes ont pu établir le dialogue. Où est Dal? Tu vas avoir de sérieuses explications à nous donner. En ce qui concerne les âmes, je ne suis pas très calé. Mais je sais que toi, tu assures. Et tu crois? Et je me demandais si tu voulais bien être mon guide spirituel. Si je n'étais pas aussi éclairée, je serais flattée. J'adore ta façon de prendre la vie et... Et? Les choses. Tu adores ma façon de faire des rituels, de chanter. Et de t'éclater? En voilà une surprise. Alors, on pourrait peut-être continuer à se voir, si tu es d'accord, et je serai l'élève, toi le professeur. Entendu. Il y a juste un problème. Lequel? Il y a une règle très stricte. Explique, vas-y. Les maîtres ou les guides spirituels ne s'éclatent jamais avec leurs élèves. Jamais? Jamais. Tu as faim, mon chaton? Oh oui. Oui, c'est l'air. Oui, mon bébé. Tu es belle, mon cœur. C'est ce qui s'appelle faire son entrée. Je n'ai jamais été du genre réservé et timide. Tu vas quelque part? Je voulais vous voir. Qui es-tu? Un voyageur? Un ami? Tu savais qu'on était ici? Je l'ai senti. C'est pareil. Tu veux dire que tu as un sixième sens? Ouais. D'ailleurs, on l'a tous. Même toi. S'il n'y a pas la notice technique incluse, ça m'étonnerait. Il y a un tas de compétences qu'on n'utilise pas assez. Comme la coordination. Eh bien, on s'est trouvé un amuseur, on dirait. Comment tu nous as trouvés sans rigoler? L'odeur du petit déjeuner. Dessert avec les trois. Regardez qui le vent nous a amenés. Je ne m'attends absolument pas à ce que vous soyez content de me voir. Encore heureux? Où est Dal? Je suis désolée. Il n'est pas avec toi? Non, il est resté là-bas. T'es rudement gonflé. Qu'est-ce que tu veux? Je t'apporte du café. De sucre, c'est ça? Merci. Jack? Ouais? Est-ce que tu peux me prêter ta console de poche? Ouais, t'as qu'à la prendre. Ah, mais je sais pas où elle est. Elle est là. Non, très bien.
Merci. Dors. Génial. Je ne pensais pas qu'on te reverrait. Je suppose que je ne vous ai pas vraiment manqué. C'est exact. Où est Dal s'il n'est pas avec toi? Il a décidé de rester avec une bande de nomades qu'on a rencontrés. Des nomades? Il est dans son élément. Il dort à la belle étoile, il vit dehors. On se faisait du souci pour toi. Tu parles pour toi, Chloé. Je suis furieuse contre elle. Oui, c'est normal. C'est inutile d'être lèche-botte. Tu t'es barrée comme ça, en abandonnant ta fille à nos soins et tu réapparais quand il y a pénurie de bouffe. Il y avait à manger où j'étais. Je voulais revenir à la maison. C'est ici que je suis chez moi. Dommage que tu ne t'en sois pas aperçue avant de te faire la malle. On devrait la laisser s'expliquer. On t'a pas sonné. Je vis ici, je te signale. Patsy a raison. Il faut être juste et écouter sa version de l'histoire. Tu nous dis toujours qu'il faut être juste, n'est-ce pas, Ambre? Très bien. Certains d'entre nous ont envie de savoir pourquoi tu es revenue. Je fuis depuis une éternité. J'ai fui Zout. Et puis Bray. Je vous ai tous fui. J'ai même fui ma fille. Et je n'en ai plus envie désormais. Jusqu'à ce que tu fasses une nouvelle crise. Continue. Il est temps que je grandisse un peu. Que j'affronte mes responsabilités. Il est grand temps. Je tiens aussi à vous dire que je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Et que je veux me faire pardonner. Tu nous as déjà servi ce refrain. C'est différent cette fois, je t'assure. Je veux rester. Et je veux récupérer mon bébé. Mais pendant combien de temps? Jusqu'à ce qu'il lui prenne l'envie de la caser à sa laine encore une fois. Oui, même toi, tu as été une meilleure mère qu'elle pour l'enfant. Merci pour le compliment, si c'en est un. Il faut admettre que t'as pas fait très fort dans le rôle de mère. Ça veut dire... que vous n'allez pas me rendre prédit? Garder les mains à hauteur de la taille et lancer les balles à hauteur des yeux. C'est hyper facile à t'entendre. Je ferai de vous des experts en un rien de temps. Tiens. Tu as le chic pour égayer Nadurné, Sacha. C'est le destin qui t'envoie. Non, en fait, j'ai la bougeotte. Je suis comme vous, je ne peux pas rester en place. On est heureux comme ça. On est d'accord pour partager avec ceux qui ont une bonne tête sympa. Eh bien, si vous aimez la mienne, je peux contribuer aussi. On recevra avec gratitude ce que tu as à offrir. Je n'ai pas de vivres, mais je fais des dessins, des acrobaties et je jongle. C'est essentiel pour survivre. Pour survivre à la déprime et à l'ennui. Sacha, tu es vraiment le bienvenu. Ce sera seulement pour quelques jours. Très bien, quelques jours. Le temps qu'on aille au rassemblement tribal. De quoi s'agit-il? J'en ai pas entendu parler. C'est là que toutes les tribus et leurs chefs se réuniront. Une occasion de se connaître, de parler, de s'amuser. Dans ce cas, je suis votre homme. On avait deviné. Et toi, t'es un nouveau venu, c'est ça? Comment tu le sais? Ah, j'ai compris, ton sixième sens. Ça fait plaisir de te voir, Trudy. Tu as retrouvé ta famille. Tu la traites avec plus de respect qu'elle en a eu pour nous. Ouais. Je déteste être traitée sans égard. Je suis d'avis qu'elle dégage. Je suis partie de chez moi une fois. Et ils étaient contents de me revoir. C'était ton papa et ta maman, Chloé. Ici, c'est différent. Pourquoi? Si on est une famille, nous aussi. C'est comme ça. On doit pouvoir se faire confiance. On ne peut pas lui confier l'ouverture d'une boîte. N'oubliez pas que Trudy est ici. Et qu'elle a une sensibilité. Arrêtons un peu cette négativité. Ça s'appelle de l'honnêteté, Tyson. Oui, et ça ne nous mènera nulle part. On doit se connecter à Trudy au niveau où on est tous un. De quelle planète elle vient? Vous devez comprendre qu'elle a fait un long voyage douloureux. Et qu'elle a trouvé sa vérité profonde. Mais ça veut dire quoi, au juste? Ça veut dire qu'elle a découvert ce qui est important pour elle. Comme les amis? Oui, Ryan. Comme les amis. Dal a découvert sa vérité profonde, lui aussi. Et on devrait fêter ça. Tu te débrouilles toujours pour tout arranger à ta sauce. Non, mais je rêve. C'est un art sacré. Très bien. Mais si tu t'avises de faire le moindre faux pas...
On commence la fête? On peut se tenir les mains? J'adore quand on se tient les mains. Tu n'as pas besoin de tous ces trucs. J'ai cru entendre quelqu'un parler. Oh, c'est sûrement mon imagination. Je pense que j'ai dit. Tu es belle comme tu es. Qu'est-ce que tu veux, Lex? Je ne le dis pas par intérêt. Tu es quelqu'un d'intéressé. Je suis coupable, je l'avoue, d'un léger manque d'attention. Tu m'as évité avec le plus grand soin. Parce que j'étais mal à l'aise. Arrête, là, tu y vas un peu fort, Lex. Dans ton vocabulaire, ça n'existe pas. Non, je suis sincère. Je suis mal à l'aise pour Ebony. Ah, oh, celle-là. Je suis tombée dans un piège. Dis plutôt que tu n'as pas résisté à son charme. Je savais que même si je t'expliquais, tu aurais du mal à me croire. C'est vrai. Je me suis dit que le mieux, c'était de prendre un peu le large. C'est là que j'ai réalisé à quel point je suis attachée à toi. T'as trouvé ça où? Dans un film ringard? Je ne te crois pas. Qu'est-ce que je dois dire pour te convaincre? C'est ce que tu fais qui compte. Entendu. Encore une petite chose avant que j'y aille. Quoi? Je t'ai déjà dit que tu avais des jambes d'enfer. C'est la liste des corvées? Je suis sûr que tout le monde va t'adorer. On ne peut pas tous être des chasseurs. Certains doivent faire le ménage et la lessive. Je ne te vois pas dans ce rôle. Il le faut pourtant. Tu t'attends à ce que je porte un pagne sans doute et que je chasse à l'arc? Comme tous les bons chasseurs. Si on parlait des ex-petits copains, qu'est-ce qu'ils font quand leurs copines réapparaissent sans crier gare? Ils gardent leur distance. Ils sont polis, mais prudents. Ils ne commencent pas à se dire qu'ils pourraient faire un autre essai? Ni en rêve. La vie va tellement vite, tant de choses se passent. J'avais remarqué. Tu ne sais jamais ce qui va te prendre par surprise. Ou qui? Ah, je suis désolée, je ne voulais pas. On était en train de discuter des corvées. Et on avait fini. J'allais venir te voir de toute façon. Je veux que tu me parles de Dal. Oh, il est heureux, il va bien. Il apprécie la vie au grand air. L'espace, le contact avec la Terre. Il est tout seul, sans ses amis. Il est avec des gens très sympas. Il voulait rester. Tu es sûre que tu ne l'as pas laissé tomber comme tu l'as fait avec nous? Je te dis la vérité, tu peux me croire. Alors c'est un peu dur à avaler. Tu prends mon super pote et ensuite tu reviens sans lui. C'est lui qui a eu l'idée de partir. On avait le même projet, lui et moi. Se réfugier à la campagne. Je suis désolée. Ça n'arrange pas mes affaires. Je suis toujours coincée dans un immeuble en béton. Peut-être que non. Apparemment, il se passe quelque chose dehors qui mérite qu'on en parle. Autre que le chaos et la destruction, tu veux dire? Il y a un rassemblement des tribus qui va être organisé. Les chefs se réuniront et discuteront. Quoi? Une sorte de grand meeting? Oh, l'on pourrait échanger. Enfin, les nomades ont l'air d'y tenir. Ça pourrait être le début d'une nouvelle vie pour nous. Tu bouges trop. J'y peux rien. C'est ma nature. Allez, respire à fond. Calme-toi et détends-toi. C'est facile à dire pour toi. Tu crois vraiment? T'as l'air d'être le genre de type. Quel genre de type, au juste? Décontracté. Celui qui prend la vie comme elle vient. C'est juste une décision, tu sais. Si seulement c'était aussi facile. La vie, c'est à toi de te la rendre facile. Alors, si tu étais déchiré entre une façon de vivre et une fille, tu choisirais quoi? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur plus vite? La fille. Mais? Mais ma tête me dit reste. C'est ce que tu as toujours voulu. Et elle t'aime pas de toute façon. Mais peux-tu être heureux si tu restes? C'est très bizarre, tu poses toujours la question qu'il faut. C'est très facile. Je n'ai qu'à le lire dans tes yeux. Alors, je devrais repartir? Je pose les questions. Je ne donne pas les réponses. Désolée, je te dérange peut-être? Ah, non, tout va bien. Je suis venue te dire que je suis content que tu sois revenue. Ah oui? Ouais, c'est important qu'on se serre les coudes. Qu'on soit solidaires, qu'on prenne soin les uns des autres. Je suis d'accord. Et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire... Jack, qu'est-ce qui t'amène ici? Je te l'ai dit? Non, je parle de la vraie raison.
Voilà, j'aurais voulu savoir si... Oui? Dal, est-ce qu'il va revenir? Je crois que non. Ah bon? C'est celui-là, non? Où est-ce que tu l'as trouvé? Je croyais que j'avais pris le dernier dans la parfumerie. Je l'ai trouvé dehors. Tu as bravé les locaux pour m'offrir du parfum? C'est ce que tu fais qui compte. Ne l'oublie pas. Je suis très étonnée. C'est vrai, l'espace d'une minute, je suis invisible et la suivante, tu cours le risque de te faire battre à mort pour moi. Disons que j'ai vu la lumière. Je croirais entendre Tyson. Je croyais qu'elle te faisait craquer. Tyson? Moi? Eh bien, elle est très chouette. Enfin, si on aime les femmes bizarres. Tu es vraiment forte. Le fait est que j'ai un peu craqué sur elle, juste après Ebony. Je le savais. Mais pas comme tu le penses. Il y a combien de façons? Ses croyances m'intéressaient, pas son corps. Arrête, s'il te plaît. Non, très honnêtement. Même Lex le Dur a la frousse quelquefois en voyant certaines choses. Comme nous tous. Pendant un temps, j'ai voulu foncer dans le trip de la profondeur. Et j'ai perdu la boule. Et maintenant? Non, c'est pas mon truc. J'aurais pu te le dire depuis le début. Mais tu sais, j'ai découvert ce que Tyson appelle une vérité profonde. Ah oui? Ouais. C'est qu'il n'y a rien qu'un gros câlin avec ta petite copine ne puisse guérir. Ah oui, tu crois. Et tu penses à une fille en particulier? On peut parler un peu? Bien sûr. Je voulais juste te dire merci. Merci de m'avoir rendu mon bébé. Encore une fois. Oh, de rien. Je me passe très bien des couches culottes à changer. Mais moins bien de Brady. C'est vrai qu'on s'habitue très vite à vivre avec elle. Tu t'es montrée meilleure mère que je ne l'ai été jusqu'à présent. Il te reste encore énormément d'années pour te rattraper. Je te remercie, Salen. Qui sait ce qui lui sera arrivé sans toi? Ne fais pas de moi une espèce de super-héros. J'en suis vraiment loin. Si tu vois les choses comme ça, mieux vaut que j'arrête maintenant. Pas en tant que mère. En tant que personne. Je croyais avoir une mauvaise image de moi. J'en ai marre de ce jeu. C'est trop facile. Si seulement on était trois, on pourrait jouer meurtre dans le noir en descendant dans les égouts. Malheureusement, on n'est plus trois, n'est-ce pas? Je voulais juste dire... Non, arrête. Pourquoi il a fallu que tu me le rappelles? Je m'amusais enfin. Désolée. Peut-être on pourrait demander au nouveau, Casey. À lui? Ne sois pas idiote, s'il te plaît. Je te parie qu'il nous battrait ou nous volerait nos jouets. Salut. Vous voulez jouer? Non, merci. C'est quoi le jeu? Les fourmis attaquent, c'est mon préféré. Il y a toute une colonie de fourmis géantes qui t'attaquent. Elles ont un énorme cerveau hyper rusé qu'il faut tuer. Tu veux réessayer de jongler? L'activité physique t'aide à te changer les idées et à aller mieux. Je crois que jongler ne m'aidera pas, merci. Toi et cette... Comment elle s'appelle? Trudy. Tu disais qu'elle ne t'aimait pas? Elle m'aime bien, c'est tout. On prenait soin de Brady tous les deux. C'est le bébé qu'elle a eu. Et toi, t'imaginais le reste? Quand elle était là, j'y arrivais. Et t'es en train de devenir dingue, à force de te demander si tout va bien pour elle. Est-ce que t'as un accès direct à mon cerveau? Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. J'aurais pas dû la laisser repartir seule. Ça suffit. T'as bien assez parlé de cette fille. Retrouve-la. Je croyais que tu donnais pas de réponse. Il y a des exceptions à toutes les règles. Allez, va-t'en. Qu'est-ce que tu fais? MPA. Quoi? MPA. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'occupe de mes affaires. Tu le fais exprès ou t'es bête? Je posais juste une question. Eh bien, arrête.
Je suis désolée pour ton frère. Si j'avais su quelque chose sur lui, je te l'aurais dit. Qu'est-ce que tu faisais vraiment? Je me rappelais. C'était laquelle, ta préférée? Celle avec les pépites de chocolat. Je t'en paye une? Quoi? Deux glaces, s'il vous plaît, avec des pépites de chocolat. Merci. Tiens. Excellente. Attention, ça coule partout. Tu es dingue! Oui, je suppose. Quoi? T'as oublié de demander de la chantilly? De la chantilly, s'il vous plaît. Alors, il faut qu'on parle de quoi? De Trudy. Pas intéressant. Je retourne me couper les ongles. Elle vient de me parler d'un rassemblement des tribus. Tous les chefs vont se réunir pour discuter. C'est sans doute un traquenard. Écoute ce qu'elle a à te dire, tu veux? Vous êtes tellement naïf. C'est un piège. Et tu es tellement soupçonneux. Tout le monde ne te veut pas du mal. D'après mon expérience, c'est clair que si. Si on commence à penser comme ça, on ne bougera plus d'ici. On doit courir le risque de discuter et découvrir qui ils sont. On doit avoir plus de contact avec le monde extérieur. C'est peut-être ce qu'ils ont prévu. Et on va se jeter dans la gueule du loup. Comment peux-tu être aussi cynique? Attendez, demandez-vous pourquoi ils font ça. Mais peut-être qu'ils sont comme nous, fatigués de lutter tout seuls. Ou ce sont des bandes de fous qui veulent nous tuer. C'est de la folie ce qu'il peut être rassurant. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? J'aimerais qu'on puisse en savoir plus. Ça nous serait utile. On prendra une décision après ça. Qu'est-ce que t'en dis, Lex? Est-ce que c'est important? Oui, ton vote compte. Et qu'est-ce que c'est qu'un vote quand les deux autres viennent du pays des rêves? Les hommes, ils te prennent bien la tête, non? Oui, si tu les laisses faire. Je suppose que la méditation doit t'aider. Ça aide. Ainsi que le fait de voir les crétins qu'ils sont en réalité. Tu sais, j'ai failli laisser Lex bousiller notre amitié. Vraiment? Oui, parce que j'ai été très jalouse. T'as aucune raison d'être jalouse, crois-moi. Je sais. Lex m'a expliqué, ça va. Bien. À un moment, j'ai cru qu'il y avait vraiment eu quelque chose entre vous. Lex et moi? Non. Je te fais confiance. Bien. On a juste couché ensemble deux fois. C'est avant tout un équilibrage énergétique. Un équilibrage énergétique, tu dis? Hé! Hey! Arrêtez! Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Demande-le à cette garce! C'est juste un malentendu. Zandra et moi, on vient d'horizons différents. Je sais d'où tu viens, toi. Du caniveau. Je suis venue vous dire merci. Vous avez été très chic avec moi. C'est un plaisir de pouvoir rendre service. J'ai adoré vivre ici avec vous tous. Et on a adoré t'avoir ici avec nous. Mais j'ai décidé d'aller retrouver Trudy. Mauvaise décision. Non, j'y ai beaucoup réfléchi. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Il n'a pas l'air de comprendre. Explique-lui, Suzy. Maintenant, tu t'es engagée avec nous. Tu fais partie de notre tribu. Tu ne t'en iras nulle part. Into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? Tell me, where do we go from here? Take me as you find me for what I am. And when I make mistakes, please understand. And as long as I know you're there is nothing for me to find.